Yes, mes fadas! Vous êtes bien sur la chaîne du débrief fou, complètement fada, complètement jobastre. C'est l'heure de l'apéro, l'heure du débrief, l'heure du kiff pour dire. Je vais vous débriefer tranquillement ce match qui avait lieu hier, le dimanche 7 novembre, à 1h de l'après-midi. À 1h de l'après-midi, c'est l'apéro! C'est l'heure de l'apéro, pas l'heure de regarder un match. Qu'est-ce que c'est cette ligue des figues là? Ça me déconne, mais c'est pareil pour tous les clubs. Voilà, c'est pas exclusif à l'Olympique de Marseille. Hein? C'est valable pour tous les clubs. Franchement, moi je trouve que c'est n'importe quoi. 13h hein, ou 1h l'après-midi pour un match. Voilà, t'es en famille, t'es en train de manger ou finir l'apéro entre collègues. Il fallait se taper un match. D'ailleurs, félicitations quand même aux supporters présents dans le stade. Ils étaient plus de 60 000. À 1h l'après-midi, il faut le faire. Hein. Voilà, contre le dernier, hein, Metz, hein, tu rajoutes un i, ça fait Messi. Hein. Et quand même, ils ont été meilleurs que lui hier. Que tu sais présenter au Vélodrome. Hein? C'est pas pour dire. Hein? De laine. Elle va coudre, de laine. Au lieu de te taper les poteaux. Et bon, tu nous as fait trembler quand même. Hein? Faut dire ce qui est. Hein? Et bon, les gars, c'est bien beau. Hein? C'est bien beau de dominer. D'avoir du jeu, de l'envie, de l'abnégation. Ça, franchement, on se régale pour ça. On se régale. Mais les actions, faut les mettre au fond. Parce que je sais pas, hein. Dites-moi si j'ai tort, hein. Mais l'objectif du ballon, du football, c'est de mettre des buts. C'est bien beau de dominer. Mais si tu ne mets pas dans tes moments forts. Si tu concrétises pas, pardon, tes actions, ben t'es mort. Voilà. 0-0 contre le dernier. En plus, ils tombaient tous comme des mouches, là. De l'anti-jeu, ils faisaient, là. C'est bon, c'est des joueurs en carton-pâte. Pajot. Pajot, l'ancien Stéphanois, là. C'est un mix entre Pagis et Rabiot, le mec. Mais sans le talent. Ah, t'es pas mauvais en tout, t'es bon pour rien. Hein, en plus, tu rentres un quart d'heure, 20 minutes après, là, tu as mal à la main, c'est l'arbitre qui t'accompagne en te tenant la main. T'as cru que c'était ton padre, fait, moi j'ai cru que c'était ton père qui t'emmenait à la maternelle. Et ouais, ma foi. Enfin, voilà, après, nos joueurs, bon, ben, ils sont combatifs, hein, on les a quand même. Relativement mangé, bien que ce soit fait peur quand même contre le dernier. Hein. Donc c'est vrai que les matchs, ils se sont succédés. PSG, voilà, match nul, Lazio, match nul. Bon, Clermont, heureusement qu'on gagne quand même, quoi. Le match en retard contre Nice, encore match nul. Ça fait le quatrième en 5 matchs. Voilà, on a gagné qu'un match. Ouais, c'est contre Clermont et contre Lorient aussi, un peu avant, largement, 4 à 1. Voilà, bon, c'est vrai que dans l'ensemble, on prend plaisir, mais bon, il y avait 9 minutes d'arrêt de jeu, tu aurais pu jouer 2 heures de plus, t'en plantais pas un, il n'y avait pas moyen hier. Milic, en ce moment, Milic, c'est mi-quiche, mi-raisin. Tu cadres plus une frappe, plus une tête, tes contrôles ils sont ric-rac. Oh, depuis que tu as été blessé, je sais pas où, à la cheville ou au genou, je sais plus trop. Enfin, le Bones il a du mal à revenir à ce top niveau. Hein? Après, Guendouzi, il n'a pas 1, 2, 3, 10 poumons, il a 1 000 poumons, tu vois, comme 1 000 raisons d'arrêter de fumer ou de boire. Hein? Les bails là, tu les connais.
Gerson, hein? On en parle, hein? Gerson, l'homme au pas en retrait. Voilà, c'est son rôle. Le mec, t'es payé, on t'a acheté, le club t'a acheté 20 millions pour que tu fasses des passes en retrait et que tu bloques. Forcément, ça nous fait bloquer à nous. Tu comprends ce que je dis? Ça nous fait bloquer. Oh, tu es là, statique, tu vas pas de l'avant, tu as marqué un but depuis le début du championnat. Bon, alors certes, t'es pas attaquant, mais bon, fais un peu des passes des, je sais pas, montre-toi. Luis Enrique, Luis Enrique, putain. Alors lui, je sais pas, moi, t'as une tête, bon, voilà. Ton nez, c'est un avant-bras. Tu sais pas contrôler. Bon, ah oui, okay, tu cavales. Ah, pour cavaler, ah oui, tu es bon. Mais bon, fais du 100 mètres, alors, ouais. Du 100 mètres, oui. C'est, ma foi, tu bon, ouais. Et tu vois, tu me laisses sans bois. Sans bois, mais j'ai envie de parler de toi. Eh ouais. Il te manque de la technique, hein, jeune. Bon, ouais, il y en a qui disent, beaucoup disent, faut lui laisser le temps, il est jeune, il va mûrir. Bon, la patience à Marseille, c'est pas une vertu. Ah, voilà. Il est terminé. Et voilà, comme je vais bientôt terminer ce débrief. Mais oui, voilà, les satisfactions, c'est Mandanda de retour dans les buts quand même. Hein. Et il faut le signaler. Contre les derniers, bon, fallait faire souffler Paulo Lopez. On a quand même deux bons gardiens parce qu'il a été énorme. Hein. Pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Avec Payet aussi. Hein. Payet qui, à la 88-89e minute, qui revient et qui nous sauve d'une action dangereuse et qui évite même le corner. Même le corner. Voilà. C'est énorme, quoi. C'est vraiment une résurrection. Le mec, c'est un phénix. Un dernier. Voilà, tout le monde se foutait de sa poire par rapport à ce bois. Là, c'était une sumo de manga. Maintenant, bon, il a futé, quoi. Il est énorme. Il est énorme. Mais pour reparler de Mandanda, il a fait quand même un très très bon match. Hein. Le gars, il est mis à la cave. Depuis août, il n'a pas joué. Il revient, comme si de rien n'était. Et voilà, contre les derniers, là, voilà. Je sais pas, ça me pas au dodo. Qui était dans les tribunes, hein, il était suspendu. Il a fait sa compo, et bon, voilà. Hein, il s'est dit peut-être contre les derniers, on va le faire jouer et tout. Bon, ça va être tranquille. Mais bon, ils ont eu quand même des actions dangereuses, hein. Les meurtres et mosellins. Mais c'est décevant. On est déçu. On est déçu de faire un 0-0 contre les derniers. Alors que tout le monde les met à l'amende. C'est quand même. C'est frustrant. C'est frustrant de faire 0-0 comme ça, là, alors que. Tu domines, tu fais plaisir, Saliba est de partout. Hein. Bon, malgré son erreur contre la Lazio, bon, tu vois quand même que le gars, il en veut, quoi. Bon, il est de partout. Il centre, il défend, il casse les lignes. Voilà, quoi. Pour moi, c'est vrai que Lirola, j'allais dire Lirola, oui, aussi, je parlais de Lirola, qui est quand même à tous les postes, le mec, bon, voilà, c'est couteau suisse, quoi. Le mec à tous les postes, le mec, il s'adapte. Voilà. Quand les Takar qui reviennent,
un niveau plus que correct. La déception, c'est Luan Perez, un peu à bout de souffle. Il n'a pas montré grand-chose. Mais il n'y a pas trop de déception dans le jeu. Hein. Voilà. Il y avait de l'abnégation dans le vide, ils ont tous mouillé le maillot. Mais à un moment donné, il faut concrétiser les actions. Pardon, les gars. Parce qu'on va regretter les points perdus là, en fin de match, en fin de saison. Hein. Fin de saison, on va se dire, voilà, hein, on finit 5e, on fait encore l'Europa League, parce qu'on n'a pas su gagner contre les derniers. Voilà. Eh bien, sur ce, c'était tout pour moi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, parce qu'il y a la trêve internationale, contre les Lyonnaises. Dans leur magnifique stade, mais qui vaut pas le nôtre quand même, faut être logique. Hein. Mais bon, l'OL Stadium, ou enfin, le Groupama Stadium, hein, plus exactement, hein, c'est plus le stade Gerland. Hein, stade Gerland, c'est depuis 96 que ça n'existe plus. Hein. Stade Gerland, on peut dire aussi, hein, stade Gerland. Hein, bon, là je parle loin. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui me suivent. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, à activer la cloche de notification, hein, pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Hein, voilà, t'as compris. Moi, je pense personne. Hein, voilà. Si t'as envie, bien sûr. Voilà. Et dit à date 15 jours pour, je l'espère, une victoire en terre rodanaise, hein, ou rodaniaise, je sais pas, hein. Là je m'interroge, hein, mais je pense que c'est plutôt, non, c'est rodanienne, alors voilà, en terre rodanienne, putain. Hein, fallait le sortir cela. Hein, fallait la sortir. Bon, voilà. Je vous laisse. Je vous kiffe. Je vous fais de grosses bises. Et à bientôt, mes foufous. Prenez soin de vous.